Clémentine et Jean-Mathieu de l'agence Win-Win. Ouais, Clem et Jean-Math. Alors, Philou, on a fait un audit de ton début de campagne. Bon, on va pas se mentir, il y a du taf. Hein. Ouais, puis on n'a pas trop le temps parce qu'après, on doit s'occuper de Jean Lassalle. Oh là là, il nous fait du souci. Lui, je sais pas quelle drogue il prend pour raconter des conneries pareilles. Ah, nous, c'est bien simple, on l'appelle Jean Lassalle de shoot. Ouais. Bon, alors allons-y, on va te dire ton principal problème, Phil. On va te le dire cash. Voilà. Hein. T'es ouvrier, Philou. Bah voilà, bah, t'es beaucoup trop connecté à la réalité et au quotidien des Français. Je suis sûr que tu connais le prix d'une baguette de pain. Oh putain, le mec connaît le coût de la vie. Non mais ça sert à rien, une fois élu, tout est offert. Puis il faut qu'on te voie dans les journaux aussi. T'as des amis patrons de presse au moins, je suis sûr que t'en as pas. Ah bah si, j'ai regardé, il en a un. Si. Ah, il y en a un. Ah oui, autant pour moi. C'est le patron de la Gazette de Blanquefort. Oh putain, non, on va pas y arriver. Et encore, il hésite entre toi et Hervé Mariton. Mais il est même pas candidat, Mariton. Je sais, mais enfin, il hésite quand même. Oh là là, c'est compliqué, Phil. Attends, putain, on a un agenda? Bah ouais, tu sais, demain, je vais annoncer que dans quelques temps, il est possible que je prenne la décision de présenter un programme. Ah oui, pour l'instant, ça passe. Alors, je te cache pas qu'on avait un petit doute là-dessus. Ouais, parce que l'an dernier, on a bossé sur une campagne pour des machines à laver. Ouais, et les machines à laver, elles ont plus de programmes que toi, quand même, mec. Ah, bim ! Merde. Bon, et alors le soutien de Pierre Berger. Oui, alors ça, je suis désolé, c'est une idée à moi. Ah non, mais enfin, mais le gars qui rachète toute la presse, c'est pas anti-système. Donc moi, ce que je veux pour Manu, oui, mais moi, ce que je veux, c'est que vous... Ouais, calme-toi. Pardon, ça me reprend. Bon, alors là, niveau oligarchie, Manu, on était déjà full, là, c'est le pompon. Ouais, attends, j'ai une idée. Aïe. Alors, Pierre Berger, on le relook perfecto en cuir avec des clous, on lui fait boire de la 8-6, on l'appelle Pierre Berger allemand, ça fait punk à chien. Ah, génial. Bam, allez, c'est cadeau, ça va lui, je facture pas. Tiens, en parlant de facture, faut qu'on parle de Brigitte. Ah ouais, parce que là, c'est quand même l'emploi fictif le plus photographié de France. Ouais, puis elle nous sape le boulot, Bribri. Mais ouais, mais quand elle raconte dans la presse que tu ranges pas tes slips, on passe pour des coups. Mais oui. Il rendrait fou les coupables, il confondrait les innocents, il épouvanterait les ignorants, il paralyserait les yeux et les oreilles du spectateur ébahi. Voilà ce qu'il ferait. Une félonie. Pour un mois, avant même que le sel de ses larmes menteuses eût cessé d'irriter ses yeux rougis, elle s'est mariée. Oh, ardeur criminelle, courir avec une telle vivacité à des draps incestueux, c'est une mauvaise action qui ne peut mener à rien de bon. Mais quel doigt, mon cœur! Le roi et la reine décident de le confronter à celle qu'il aime, Ophélie. Attends dans un couvent! Majesté, vous ici. C'était votre mari. Il fait de plus en plus peur. Être ou ne pas être, on vous le connaissez. What's up exactly in your mind? I can't believe it, you know. Mais que tu es bon, mon fils. Je suis coincé. Avant de mourir, elle s'écrie. Thank you.
Maître Fandard, comment qualifieriez-vous l'affaire du château de sable ? Ah, c'est une bonne question. Je crois que c'est l'affaire la plus consicruta néniglocsale qu'il m'eût été donné de plaider. Je sais que le mot ne vous dira rien, c'est-à-dire que j'ai été obligé d'en inventer un pour qualifier cette affaire à la fois concise, cruciale, tangible, énigmatique et paradoxale. Quel est pour vous le rôle d'un avocat ? Le rôle d'un avocat est de servir l'apéritif. Parce que vous savez, le rôle d'un avocat est avant tout de servir la justice, bien sûr. Qu'on va quand on est mort. Oh putain, je suis mort! J'ai vu toute ma vie défiler! Mais il s'est pas passé grand chose, hein. Oh, mamie, j'ai vu la lumière, mamie, j'ai vu la lumière, j'ai dit tais-toi! Tu as vu Dieu! Comment trois destins que rien ne semblait devoir rassembler? Un punk mystique, une vieille cato, un gauchiste utopiste, enfin un gauchiste, hein? Comment ces trois personnes ont pu vivre ensemble dans le respect de la spiritualité de chacun? Tu crois que tu vas m'avoir avec tes fétiches? Dans ce spectacle, les enfants vont déjà découvrir une histoire d'une famille de blaireaux qui s'appelle la famille Moussara. Et au travers des aventures qui vont leur arriver, moi j'incorpore des danses et donc ils vont apprendre à danser de manière ludique des danses collectives ou en couple. Alors pour les danses collectives, il y a la Bouetousse du Poitou, il y a la danse du Bouc, du Pays de Galles, le Cercle Circassien. Pour les danses en couple, il y a le Galop Nantais. Et j'apprends les pas de danse en moins de 2 minutes. Je vais montrer avec la petite fille ici. Tiens. Alors, pour la position, vous mettez une main dans le dos et l'autre main comme ça qui tient cette main ici, voilà. Vous voyez, c'est un peu comme si vous dansiez un tango, une valse, une danse en couple. C'est bon, vous êtes tous et toutes deux par deux? Tout le monde a un compère, une compère? Une commère, je veux dire? Et ça va faire jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. Ça va, ça? Jaune, vert, jaune, vert, jaune, vert. He's just a man, and I'm on my knees. Days and nights, days and nights.
Traveling soul, where you gone now? Traveling roads, way down. Traveling soul, wherever you gone now? Travel the road safely home. Traveling soul, where you gone now? Traveling roads, way down. Traveling soul, wherever you gone now? Travel the road safely home. L'objectif de cet exercice est clairement de vous donner l'envie de venir voir Plaire, abécédaire de la séduction de Jérôme Rouget. Moi-même. Bon, déjà, c'est une très mauvaise entrée en matière, car pour séduire quelqu'un, probablement, il ne faut pas lui dévoiler tout de suite clairement nos intentions. Parfois même, une forme de dédain peut susciter l'attrait, l'attirance de l'autre. Exemple. Donc évidemment, cette distance comme ça, en apparence, peut susciter le rejet, mais elle peut susciter aussi une forme d'attirance. Quelqu'un qui reste indifférent nous laisse justement rarement indifférent. En parlant de distance, physiquement aussi cette fois, il ne faut pas entrer dans ce qu'on appelle la sphère d'intimité de l'autre. Par exemple, vous voyez, si je me rapproche, eh bien clairement, ça devient de plus en plus désagréable, juste à devenir carrément oppressant. Et là, on n'est plus du tout concentré sur ce que je dis. À l'inverse, évidemment, une distance trop forte, le contraire est valable. Si je m'éloigne, eh bien, je perds toute forme d'intimité. Et même si mon discours peut avoir un certain intérêt, évidemment, c'est beaucoup plus difficile de le percevoir à cette distance. Et puis alors là, si je disparais, bon, ben, c'est complètement foutu. De la même façon, évidemment, quand on boit un verre avec quelqu'un, cette distance pour trinquer, eh bien, n'est pas du tout pratique. Vous comprenez ?
Regardez l'autre droit dans les yeux, ça aussi c'est important. Viens me voir, spectateur. Je te parlerai de séduction et de bien autre chose aussi. Come on. Ce que je vois est beau, et je ne vibre pas. Le soleil baisse lentement, je ne remercie pas. Je ne m'ennuie pourtant point, je m'affaire sans fin. J'hyperactive mes voeux, de ne rien rater, rien. Mes futurs courent devant, s'agitent, tourbillonnent. Et mon esprit résonne, quel que soit le présent. Et dans ce brouhaha, ne me reste-t-il plus de place pour les mois ou l'oreille tendue? Mais je sais, oui je sais que quelque part pourtant, tapis dans un sourire, un soleil ou un chant, une utopie m'attend, une de celles qui font croire en chaque instant à la beauté de la vie. Thank you.
his knees, and he keeps begging for my melodies, and he keeps telling me I'm a real woman, and that is sure, oh that is certain, that is certain.